Bonjour Jean-Luc. Salut Octave. Mais que se passe-t-il? Où sommes-nous? Je voulais t'offrir un délire, mais tu sais probablement pourquoi. Non, pas vraiment. C'est le dernier cours, Octave, aujourd'hui. Et? Vous avez raison, Jean-Luc. Dans mon programme, j'en parlais plus tard. Mais vous avez pris les devants. Eh oui. Êtes-vous prêt pour le dernier cours? Ah, je suis prêt, quand on veut. Affichage de la grille de vos cours. Nous remplissons toutes les cases qui restent. Wow. Mettez-vous en position de si mineur. Si mineur, comme... Vous vous souvenez? C'est un des premiers accords que vous avez appris. Oui, avec la blanche hermine, comme ça. Voilà. Si vous regardez bien, juste après le doigt numéro 1 qui fait le barré, oui. La position ressemble à un la mineur. Oui, les trois doigts. Pour faire le si majeur, il vous suffit de faire une position qui ressemble à un la majeur. Ben, comme ça. Exactement. Ah. Cela vous donne un si majeur. Oui. Et pour faire un si septième alors, que devez-vous faire? Ben, je dois enlever le doigt numéro 3. C'est dur. Pas tout à fait. Pour des raisons d'articulation, une autre position est plus facile. Ah. Affichage diagramme. Voici le si majeur. Okay. Pour un si septième, oui. Remplacez le doigt numéro 2 par le doigt numéro 3. Ouais, j'enlève le doigt 2, je monte le 3, puis voilà. À partir de ces trois positions, mineur, majeur, septième, ouais. Nous allons appliquer le même principe que le fa barré. Ah oui. Si vous glissez cette position d'une case, vous avez quel accord? Eh ben, si, do, une case. C'est ça? Très bien. Donc, vous savez faire le do mineur, do majeur et septième dans cette position. Ouais. Deux cases plus loin. Oui. C'est un ré. Oui, do, ré. Jouez. Je joue. Deux cases encore. C'est un mi. Un mi. Et une seule case. Vous essayez de me piéger là. Alors, pour jouer l'hymne à la différence de G, ouais. Le premier accord est un mi mineur barré. Ah, mi mineur barré. Le deuxième accord est un si mineur sans changer le barré de case. Ah, en position de mi comme ça. Accord numéro 3, un la mineur barré. La, deux cases avant le si. Comme ça. Deux cases avant le si mineur, c'est ça. Puis vous revenez en si pour faire un accord septième. Pour le refrain, trois accords seulement. Mi mineur, la mineur, si septième. La mineur. Vous avez tout le temps de travailler. Si je vous conseille d'aller voir Jay pour apprendre la main droite. Ah oui. Avant de vous quitter, je tiens à vous féliciter pour avoir tenu le coup jusqu'ici. Ah, merci beaucoup, Octave. Et n'oubliez pas, vous pouvez consolider votre apprentissage en visitant le site web de Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère. Ben oui, je fais tout le temps. Ce fut un plaisir de vous avoir comme élève, Jean-Luc. Ah ben, le plaisir est partagé, Octave. Je vous souhaite de continuer dans cette voie. Et surtout, amusez-vous. Oui, je veux m'amuser. Fermeture alors, du logiciel. Si de séquence terminée. La mineur.